Il n'y est pas tout le monde. Alors un bien joli titre pour que dire, voilà, science ou fiction. Voilà tous les concepts, les principes autour de nos formules mathématiques, des sciences physiques, mathématiques et autres. Enfin, je vais faire allusion à toutes les sciences intégrées. Au fond, en fait, le principe de conception, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi le dématérialiser et le déstructurer, remettre en question en fait les valeurs qu'on a précédemment acquises? Pourquoi? Parce qu'en définitive, en fait, les concepts que l'on a construits en fait peuvent être inconsciemment construits sur la volonté de vouloir auto-satisfaire ses propres désirs. Donc dans un désir et une volonté de type inconsciente. Et ça tronque, à mon sens, la lecture des résultats. Et je dirais même avant de tronquer la lecture des résultats, ça tronque la mise en place des séquences expérimentales, des mises en place des prototypes et des séquences de prototypage. Voilà, donc à mon sens, en fait, les sciences, on pourrait presque se demander et se poser la question de savoir si c'est pas complètement une pure invention de l'homme, en fait, pour assouvir, en fait, ce qu'il n'arrive pas à expliquer. Donc, en fait, on utilise des formules mathématiques. Est-ce qu'il conviendrait de toujours continuer à essayer de comprendre, ou au contraire, est-ce qu'il conviendrait plutôt de vivre un peu plus passivement, un peu plus simplement, un peu plus en harmonie avec la nature, et laisser tout simplement le système reprendre un petit peu le dessus, puisque actuellement, j'ai l'impression que c'est l'homme qui a pris le dessus sur le système. Donc quand je dis système, c'est vraiment le macro-environnement niveau globe, voilà, dans lequel on évolue. Donc voilà, je dis y est pas. Cette présentation vaut ce qu'elle vaut, voilà. Mais c'était juste pour vous faire un clin d'œil. Allez, je vous dis y est pas, à bientôt, et j'avais juste envie de papoter. Ciao, ciao.